vu, les gens, ils y retournent. Avec nous, on est quand même planqués. Hein. Comment tu t'as fait? Bah, tu sais, des mécanos comme moi, avec mes doigts de fée, ils en ont besoin pour leur coucou. Hein. Ouais. Mais toi? C'est à cause de ma mère. Quel rapport? Ministère de la guerre. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Femme de ménage. Ah, bon. Eh, bah, dites donc, les gars. 2 points en 3 heures. Eh, bah, dites donc, à la fin d'un tel travail, vous auriez peut-être bien éponger votre soif, non? Hein? Puis en même temps, vous rendez service aux petits commerçants de l'arrière. Eh, qu'est-ce que tu fais là, Pierrot? Bien, vous n'en faites pas ça. Hein? T'es là pour licher le fond des verres, comme toujours. Allez, va voir un peu ta mère, là, toi. Ah bon? Tu m'as mis sur la musette, hein? Oui, oui, oui. Une oui. Et puis il y a le volant. Il y a la plus grande. Tu mets là-dessus, si tu attrapes le bruit, il faut le remettre. Ah, mais ça n'était pas marrant, des rigolos, non? Non, ça fait oui, pleurer. Ça fait du bien aussi. Ça pique du bien. Oui, on va. Il faut le faire. Il y a le côté. Hein. Oui, oui, oui. T'en fais pas mal, on va. À toi là-bas. Puis ça va pas toujours durer, qu'est-ce que tu veux? Non. T'en sais pas, maman. Il faut pas pleurer, non. Je reviendrai, toi. Pleure pas, maman, quoi. Je vais revenir. On y reste pas tous, va. On veut que ça finisse un jour. Oui. Faut pas t'en faire comme ça. Allez, maman, va. Allez, sois brave. Oui. Finis ton café. On va te remonter. Cochon, t'appelles pas la porte, hein? Ah. Tu veux mon pied au cul? Non. Je vois pas comment. Avec ton cœur arpassé. Ouais, ouais, arpassé, faut pas tiquer. T'as vu ça? Qu'est-ce que t'en es? Eh ben comme ça, t'es payé mon gars. Ouais. Ouais, suis-moi ça, je vois. Mais suis-moi ça, je te dis. Alors, tu peux pas essuyer là? Allez, manie-toi. Action française. Oui. C'est pour le marquis, ça. Oui. Ouais. Je te mets les sous là. Non, 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 non. Hey, qu'est-ce que tu m'as mis dans la poche? Donne-moi tes sous. Je t'ai mis les sous. Donne-moi tes sous. Oui. Je t'ai mis les sous. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas vu. Donne-moi tes sous. Si, si, si. C'est là. Bon, c'est là. Et puis? Tiens. J'ai mis une pièce de 500. Et le reste? Non. Et le reste? Il y a 20 centimes, là, c'est 25 centimes le jour. Je t'ai mis là? C'est pas vrai. Si. Quand tu dis au remarquis, ça fera 30. Non. La prochaine fois. Alors, au revoir. Allez, au revoir. L'Ardin, en culotte courte. Il en tue plus de manière. Monsieur le marquis? Oui? À la brèche du mur, au fond du parc, j'ai vu une hardée. Ah? Ah oui, d'après les traces, ce sont des marcassins de 40 à 50 kilos. Ils sont 7 ou 8 qui sont tombés dans un buisson d'épines noires. Ils vont y rester quelques temps. Ah. C'est pour monsieur le marquis. Merci. Comment t'appelles-tu, toi? Hervé. Hervé. C'est avec ton ami, là, que tu es venu au château l'autre jour? Oui. Ah.
Et lequel des deux entraîne l'autre pour faire des blagues? Oh, les deux. Dépend. Michel est plus grand, mais il est aussi bête. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Allez, entrez à la maison. Dites au revoir à Monsieur le Marquis. Au revoir, Hervé. Au revoir, Michel. Monsieur le Marquis. Allez. On n'est jamais tranquille avec eux. On ne sait jamais ce qui leur passe par la tête. Hein. Dis-moi, comment avez-vous eu cet Hervé? Eh bien, il est arrivé un dimanche. Sa mère nous l'a amené. Et puis, elle est repartie. On ne l'a jamais revue. Son père est au front. Elle, elle a sans doute fichu le camp. Ça fait 3 ans qu'il est là, le gosse n'en sait rien. Tous les dimanches, il va à la gare pour attendre sa mère. Bon, alors, allons voir cette Hervé. Bah tiens, tu tombes bien, toi, parce que j'ai des lettres pour le bois. Je vais pas me fatiguer à descendre, là, avec les... C'est pas parce que je suis paresseux, mais je veux pas descendre avec le truc, là. J'ai embourbé encore mes... J'ai encore embourbé mes roues. Je veux pas me... Voilà. Pour le bois. Tiens. Eh bah dis donc, c'est... Oh bah dis, c'est pas parce que c'est pas tes lettres qu'il faut les chiffonner comme ça. Allons, voyons. Mais non, allons. Et c'est moi qui travaille au poste. Hein. Après, je vais me faire engueuler à cause de cette histoire-là. Pas gentil, ça, hein, pour moi. Méchant. Je vais une petite cigarette, tiens. Pour faire du bien. Pauvre gosse, là. Je comprends pas pourquoi il a pas de lettre. Mon père, là. Trop de coups de fusil pour lui envoyer une petite lettre, il ferait plaisir. Il semblait que tout son sang se fût retiré de sa face. Ses lèvres exsangues se contractaient et aucune parole n'en sortit. Satanas... Qu'est-ce qui ne va pas, Hervé? Ce sont des lettres, je n'ai pas. C'est toi qui les as mis dans cet état-là? Michel, Albert, venez, il y a des lettres. Bébert. Tiens. Tu les as chiffonnés? Tu m'en prends sur la gueule? Regarde, mon petit Albert, tiens. C'est pas marrant. Ça va? Maman va m'apporter un cadeau pour mon anniversaire. Ah ben c'est bien. Allez, allez jouer maintenant. Moi, je voudrais continuer à lire. Allez, allez jouer. Vite. On t'en achètera un beau cadeau, va. Pour c'est ton anniversaire. Anniversaire. Eh ben oui, on fera une belle fête. Allez. Qu'est-ce qu'elle te met? Tu veux que je t'en mette une, moi? Regarde, la carte du poilu. Je crois à la France immortelle, à notre Joffre tout-puissant, créateur de la victoire. Ah ben. Tu m'en prends sur la gueule? Oh, Marcel. Alors, les mouflés, ça biche? T'as vu la carte du poilu? Allez, laisse-moi tranquille. Caverne, ma pie. Elle t'a vu. Allez, viens. Commença-t-il d'une voix? Albert, maman m'a envoyé la carte du poilu. Du poilu? Credo du poilu. Credo des tranchées. Je crois au dieu de l'artillerie, des canons, des munitions. Je crois à Notre-Dame de la tranchée, à la Sainte Rosalie, notre baïonnette, à nos anges gardiens, notre Lebel, notre glorieux 75. Regarde, t'as vu que j'apprends à taper deux coups. Ah, je l'ai maintenant. Allez, grosse. Allez, ça va s'envoler. Elle s'envole pas, on lui a coupé les ailes. Fais voir. Mais qu'est-ce que tu vas en refaire en douille? Passe-moi ça. Passe là. Oh, ben la demande. Ah, chiant. Ah, ah. Où ce mec là? On prend sur la gueule. T'es malade. Allez, là-dedans, Jojo. Jojo, tape deux coups, Jojo. Là, je la prends dans 2 secondes, regarde. Tape deux coups, Jojo.
Hé, hey, tu dors? Non. T'as qui été taillé? T'entends pas la nouba qu'ils font là-bas? Ah oui, c'est le petit lieutenant qui fête sa première victoire. Ouais. Il a battu une saucisse. De Francfort? Ah, dis donc, j'espère qu'ils vont penser à nous. Un petit verre de champagne, ça fait pas de mal. Oui, ça fera passer la saucisse. Bien. Je vais me coucher. Ah bah, t'as de la veine, toi. Chacun son tour, hein. Ouais. Salut, bonne nuit. Salut. Toi, tu vas te faire piquer. Pourquoi? Hypocrite, donne-moi du feu. T'as entendu? Arrêtez! Cela, qui vient? Arrêtez au tir! L'autre salaud qui m'a poivré les fesses. C'est Albert. Albert, tu souffres? Tu souffres ou est-ce que tu as mal? Tiens, là. Hey. Ah, tu vois, t'auras pas lui tirer. C'est toi, Quentin, qui a fait ça? C'est lui, oui. Ah, bah, alors, t'es à droite. Non, mais il l'a pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Ça... C'est pas vous qui l'avez. Non, attends, viens avec nous. Viens, on va t'emmener. Ouais, mais doucement. Qu'est-ce que tu passes, les gars? Posez-moi. Il est du pont, les gars. Oui, oui, c'est pas grave. Prenez-le doucement. Alors. Ouais, je t'en tiens, Quentin. Tu fais. Allez, remets-le chez lui. Oui, allez chercher un médecin. À l'infirmerie. On est à l'infirmerie. Qu'est-ce qui s'est passé, Quentin? Eh bien, voilà, on a entendu du bruit, on a fait les formations. Les sommations, et puis alors, j'ai tiré. Avec du 8, ça peut tout juste tuer un merde. Oui, c'est pas grave. Tout ça pour des boîtes de conserve. C'est ce que c'est. Pas possible. Oui. Bon, allez, au revoir, les gars. Bonne occasion, oui. Bon courage. Son casque. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Albert? C'est toi? Oh, tu peux pas le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Là, derrière. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne pourrai plus jamais m'asseoir de ma vie. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mobiliste, soldat, poussez-vous. Pas doucement, doucement. Albert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà. Il était de garde au camp et il a pris un coup de fusil dans les fesses. Comment ça s'est fait, ça? Eh bien, n'importe comment, le commandant mène une enquête. Voilà, vous pouvez être rassuré, madame. Oh, Albert. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Oui, au revoir, monsieur. Merci. Oh, entrez, docteur. Oh, bonjour. Regardez. Déculottez-le et apportez une poêle à frire.
Vous êtes là de bien bonheur, messieurs les gendarmes. Non, on sera bienvenus plus tôt, mais on n'a pas le droit d'instrumenter la nuit. On peut dire un mot à Albert ? Oh, bah, il dort encore. Vous savez, ce serait un péché de le réveiller, hein, il récupère. On n'a pas accumulé à interroger, hein. Oh, bah, vous prendrez bien une tasse de café ? Non, j'ai un bélan de service. Merci, Jeanne. Est-ce que tu des gouttes ? Oui, allez, asseyez-vous. Bon, allez, une petite goutte, mais en vitesse, hein. Ouais, sacré Albert. C'est dit qu'il serait passé de l'autre côté de la barrière. Lui, un représentant de la loi, comme qui dirait nous. Ah, j'arrive pas à le croire. Ah, bah, faut pas croire, vous savez, hein. Jamais, hein. Tenez. Non, merci, madame. S'il vous plaît. Merci. Je vous en prie, ne vous dérangez pas, je ne fais que passer. Entrez, monsieur le marquis. Albert vous attend. Tiens, vous croyez qu'il dormait. Vous êtes là depuis longtemps? Ah, ça fait bien une heure, oui. Ah. Vous permettez, je passe avant vous, je suis assez pressé. Je vous en prie, monsieur le marquis. Bon. Alors, j'attends. Monsieur le marquis. Allez, dépêche-toi, la maréchale aussi s'impatiente. Maréchale nous a expliqué. Alors, maintenant, tu joues les Pères Noël. Oh, c'est pas ça, mais le petit Hervé, c'est un pauvre gosse. Personne ne lui envoie jamais un colis, alors. Tu n'as rien avoué, au moins. Non, j'ai préféré vous attendre. Oui, t'as bien fait. Alors raconte-moi ça en vitesse. Eh ben voilà. Oh là, Oui, oh ben, un peu d'eau chalée, ça passera. Voilà, j'ai été aux messes des officiers, puis j'ai pris des biscuits. Hein? Parce que les biscuits d'officiers, c'est meilleur que les biscuits de soldats. Dis donc. T'as pas pris que des biscuits? Ah ben non. Non, parce que c'était des biscuits secs. Alors, j'ai pris de la confiture avec. Hein? Bon, alors écoute, quoi qu'on te demande, réponds non. Bien, monsieur le marquis. Tu as bien compris? Oui. Bon. Eh bien, messieurs, je dois vous dire que je suis très ému de ce que je viens d'entendre. Et j'ai plaisir à dire que je suis fier de mon garde-chasse. Fier? Eh oui. Voilà un homme que son âge éloigne du feu et qui cependant risque sa vie en poursuivant un malandrin. Comment, c'était donc pas lui le voleur? Non, c'est-à-dire qu'une première enquête a pu le laisser croire. Non. C'est-à-dire que si on a retrouvé sur lui les objets volés, c'est qu'il les avait repris. Et s'il n'a pas arrêté le voleur, c'est qu'un étourdi a, dans l'obscurité, tiré au jugé sur lui. Quel imbécile, ce Cotin! Je ne vous le fais pas dire. D'ailleurs, vous allez recueillir tout de suite sa déposition. Seulement, hein, allez-y doucement, je ne le fatigue pas. Comptez sur nous, monsieur. Pardon. Au revoir. Et que la justice passe, Jeanne. Merci, monsieur le marquis. Vraiment, vous savez, sans vous, je ne sais pas ce que nous allons faire. Allez, viens. Voilà. Thank you.
Oh, vous êtes là, madame Latour. C'est avec quoi? J'ai pas cherché partout. Oh, oh les trains. Oh, c'est un bon. Ça va bien? Oui, mais les premières, c'est un petit crochet. Oh, oui. Oh, vous savez, j'ai reçu une lettre du petit bébé adorable. Il va bien? Oh, très bien, oui, merci. Voilà mon bras. Et le vôtre, enfin, nous allons les voir tout de suite, là. Du marquis encore. Alors moi je me trimballe à la gare pour aller chercher à boire à tout ce bon monde. Nom de Dieu, nom de Dieu. Mais oui, mon petit bonhomme. Oh tiens, j'ai une nouvelle de papa. Il va bien. Il va bientôt venir en permission. D'ailleurs, tu sais, il m'a mis un petit mot pour toi dans la lettre. Tu vas voir. Regarde. Mon chéri, ta maman m'écrit que tu profites bien chez ces braves gens. J'espère que tu es sage et que tu ne fais pas trop de farce à tes petits copains. Je pense très fort à toi, ton papa qui t'aime. Adrien. Mais allons, petit goulu, offre à tes camarades. Tu vas être malade. Hervé, t'en veux? J'en veux pas. T'as même une carte, prends. Non, je veux pas. Allez, prends. C'est pas possible qu'il a renversé les chocolats. Ah non, vous allez pas recommencer en plus. Oh, non, ne recommencez pas à vous battre. Hein. Allez, hop. Et toi, descends. Ramasse-moi tes chocolats. Oh, mais t'es complètement malade. Et si on te faisait ça à toi, tu serais content? Maman, pour dire mais rien. Bonjour. Bonjour. Oh, mais fallait pas. Oh, mais fallait pas. C'est rien. Vous avez fait bon voyage? Oh, j'ai failli louper mon train. Oh, oui. Dites-moi, le petit Hervé, il est toujours aussi fou? Ah, ben c'est dimanche, vous savez. Le dimanche, c'est pas son jour, surtout quand vous venez. Oui, bref, il change pas, quoi. Toujours aussi difficile. Je le trouve antipathique. J'aime bien les gosses, mais il est antipathique, sale, dévergondé. Je sais pas ce qu'il va devenir dans la vie. Tiens, vers les Parisiens. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est la vie touche. Mais c'est un abago, là. Oh, bonjour, madame. Bonjour, madame. Oh, bonjour, le Marguerite. Ils sont aussi bien sur vous. Regardez-là, une vraie parisienne. Vous pouvez venir à Paris. Oh non, non, j'aime pas les filles. On est tous. Toujours aussi fraîche, Marguerite. Moi, avec ma mine de papier mâché. Alors, dites-moi, Albert, c'est l'abago. On peut se mettre à table. Oh, bah, ça tombe bien, j'ai une femme. Viens, assieds-toi. Ma Michel, qu'est-ce que tu fais? Viens à côté de maman, voyons. Assieds-toi là. Allez, viens à côté de maman. Marguerite, c'est vrai, vous voulez pas venir? Non, on est tous dans les villes. Allez, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais? Pas de question, on a rien. Hervé. T'es toujours content? C'est très frais, c'est très bon. Tu vas pas te bourrer de chocolat pour être malade comme la dernière fois, hein? Hervé. On va en garder pour demain. J'ai pas faim. Bon, alors, il y a de la giblotte. Vous aimez ça? Oh, ça tombe bien, j'ai une faim de loup. Comment vous faites pour garder la taille fine avec tout ce que vous avalez? Je me dépense, c'est les nerfs. Hervé, on mange! J'ai pas faim. Ah.
Moi, je reste debout, hein, parce que je peux vraiment pas m'asseoir. Oh, pauvre monsieur Albert. Oui. Allez, voilà. Votre assiette. Allez, monsieur Albert, votre assiette. Albert. Bien à manger debout. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton assiette. Tiens, Albert, tu le reconnais? C'est Kiki, ton lapin. On le bouffe. C'est honteux. Honteux de dire des choses comme ça. Lui dis pas ça. Il va encore pleurer. Michel. Et c'est mes camarades du camp. Et avec ces voitures, ils viennent empester nos forêts. Oh. Ça fait partir toutes les bêtes, madame. Oui, mais c'est le progrès, ça. Ah, le progrès, et madame. J'en ai vu plus d'une à Paris. Ah oui, mais peut-être, mais à Paris, il n'y a plus de bêtes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Oh, ça. Ah, on ne peut pas tout avoir. Non, dans le mal, il y a de la compagnie. Qui c'est? Hein, ça doit être les Parisiennes. Oh. Et là, il s'écraserait. Bonjour. Ah, bonjour. Messieurs. Oh, mais vous avez du monde, on ne veut pas vous déranger. Oh, mais vous ne dérangez pas, ce sont les mères des enfants. Madame Latour, madame Pouilly. On était venus pour prendre des nouvelles du blessé. Il y a un blessé? Oui, mais vous n'êtes pas au courant? Mais non. Mais vous êtes à la table avec un héros. Oh, il a sauvé le camp d'aviation d'une attaque. D'une attaque, monsieur Albert. Ça va, il n'y a pas de Et on n'a pas le droit de savoir, nous. Il n'y a pas de pouvoir rigoler, il y a une de ces andouilles qui l'a pris pour un rôdeur la nuit et qui lui a tiré dessus. Et on donne des fusils à des gens comme ça? Ben, attends de voir un fusil. Tu verras ce que ça donne. Bon, on parle pas de malheur. Hein. J'espère bien que ça arrivera jamais. Oui, mais dis donc, Biro. Mon frère, quand il va à la chasse, il tue pas son chien, lui. Ouais, mais hein. C'est un spécialiste. Hein. Il abat ses amis. Ah, monsieur Albert. Voici de la part du capitaine quelques cadeaux. Oh, merci. Il est gentil. Du chocolat, du gâteau. Et puis, du champagne. Eh ben, on va boire à ma santé. Allez. C'est Nicolas que vous devez dire un mot, monsieur Black. Faites-le entrer. Qu'est-ce que c'est, Nicolas? Je
Monsieur le Marquis, je voulais dire que j'ai attrapé le petit garçon du garde-chef qui est en train de rouler dans le parc. Va me chercher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais pas que c'est des sites sauvages. Tu peux revenir et te casser une jambe d'un coup d'aile. Viens avec moi, je t'emmène chez Monsieur le Marquis. Allez. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci un dimanche? Je me promène. Albert sait que tu es ici? Non. Tu as déjeuné? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait les mères d'Albert et de Michel, je les aime pas. Tu vas te faire gronder? Non. T'as fait plaisir de déjeuner avec moi? Oui. Limousin, mettez dans un couvert pour notre invité. Va t'asseoir. Ne sois pas intimidé. Allez, assieds-toi. C'est grand ici. J'aurais peur d'habiter là. Mais c'est grand. C'est grand, oui. C'est surtout très vide depuis quelque temps. Retire ta serviette. Là. Oui, servez-le, Limousin. Il est trop intimidé. Tu me diras ce que tu en penses. C'est une spécialité de ma cuisinière. Qu'est-ce que c'est? C'est des escalopes de veau maringot. Tu aimes? J'ai ma mangé, mais elle n'en mange pas. Ça coûte trop cher. Ah. Alors goûte. C'est bon? Oui. Limousin, donnez donc un doigt de vin à notre invité. Tu peux manger du pain aussi, tu sais. Pas trop, Limousin. Là. Santé. T'as plus faim? Non. Non? Allez, force-toi un peu. Merci. Tu veux un cigare? Non, merci. Pourquoi ne pas rester à la salle à manger? Pourquoi on est venu là? Ah, voilà. C'est parce que c'est ici que je lis. Et qu'il n'y a rien pour moi de plus apaisant, parce que... Oui, tu trouves ça curieux, hein? Oui. C'est qui, ça, là-bas? Ah, ça, c'est mon père. Là, c'est ma mère. Mon père était un très brave homme. Elle a passé son temps à lui empoisonner la vie. Il était très amoureux. Vous avez des enfants?
Non. Mais parlons plutôt de toi. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je vais dans la campagne. Je m'amuse. Je vais pêcher. Je vais dénicher des nids. Ah oui. Tu aimes la campagne? Oui. Et Paris? Je ne me rappelle plus. Dis donc, tu ne crois pas que maman Jeanne va s'inquiéter? Il faudrait peut-être que tu rentres. Non. Non? Bon, eh bien, moi, je te renvoie. Au revoir, Hervé. Au revoir, monsieur Marquis. Hervé? Oui. Tu pourras revenir quand tu voudras. Quand il reviendra, le temps des cerises, il y aura du printemps, la lave du plaisir. Et je crève. T'es crevé? Bah oui, je suis crevé. Je finis ma journée, puis je crève. S'ils avaient refait les routes et tout ça, il n'y aurait pas de problème. Et puis avec des roues comme ça, le progrès, là, des pneus, des machins comme ça, par chantier, lui, il n'a pas de problème. Il a des roues en fer, alors il n'a pas de problème. Moi, je finis ma journée, pop, je crève. Et qui c'est qui est obligé de s'ennuyer? C'est moi, j'ai des lettres pour toi, d'ailleurs. Ah. Madame Picard, Madame Picard et Madame Picard. Voilà. Pas de problème, Chartier, avec ses roues en fer. Il roule et il casse les roues, tout ça, et c'est moi qui suis obligé de réparer mes roues, même moi. J'ai le même problème. Et qu'est-ce que tu fais? J'allais. Mais t'as pas le droit! Mais c'est interdit de lire les lettres! T'as ouvert le courrier? Oui. Mais c'est interdit, c'est pas à toi, c'est pas à ton nom, ça! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu ouvres le courrier qui? Mais c'est une violation de courrier! Dans le code des courriers, c'est marqué dans le code des postes, c'est marqué il est interdit, quand c'est pas à son nom, d'ouvrir le courrier. Enfin, quoi? Tu penses un peu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est moi qui vais me faire punir, après. Alors, c'est interdit de lire le courrier qui n'est pas à son nom. Cher Jeanne et cher Albert, je vous écris de l'arrière où notre régiment est au repos. J'ai bien reçu votre lettre. J'espère que le nouveau roulement des permissions me permettra bientôt de revoir les miens et d'embrasser mon petit Hervé. Toi, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi, c'est vrai, ça. Qui a dû grandir depuis si longtemps. T'as grandi, toi? Ici. Alors, j'ai retrouvé Hélène, une jeune femme que j'ai aimée à 20 ans et qui s'était mariée avec un autre. Aujourd'hui, elle est veuve de guerre et moi... Bon, eh ben moi, c'est pas pour moi. Tiens, c'est pour toi, c'est vrai. T'as bien deviné. Aujourd'hui, elle est veuve de guerre. Moi, je n'ai pas de nouvelles de la mère d'Hervé depuis 4 ans. Aussi, je vais me remarier avec Hélène quand la guerre sera finie. Je vous demande de préparer Hervé à cette nouvelle. Très bien. Pouvons-nous voir Dieu? Non. Alors pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas le voir sur la terre, mais où le verrons-nous? Au ciel. Ah, ça c'est bien. Dieu prend-il soin de nous? Oui. Car Dieu est bon. Dieu est bon. Qu'est-ce que le vrai bonheur? Personne ne le sait, ça. Hein? On n'a pas appris sa leçon. Le vrai bonheur, c'est d'être l'ami de Dieu. Répétez. Toujours. Le vrai bonheur, c'est d'être l'ami de Dieu. Quand faut-il prier? Le matin, l'après-midi, midi.
le matin, le soir et aussi pendant la journée. Qu'est-ce que faire un péché? C'est de désobéir à Dieu. Très bien. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, là-bas? De la tenue, je vous en prie, de la tenue, hein? Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pour nous sauver. Et nous conduire? Au ciel. Oui. Quand fête-t-on la naissance de Jésus? À Noël. Comment s'appelait la mère de Jésus? Sainte-Pierre. Sainte-Marie. Sainte-Marie. Qui est Jésus? Non. Le fils de la non, le fils de Dieu. Dieu qui s'est fait homme. Homme. C'est bien. Où Jésus est-il né? À Bethléem. Oui. À Bethléem, une étable. Dans une étable, c'est très bien. Alors, quand donc tu es en retard pour les catéchismes, oui. Monsieur le curé va te tirer les oreilles. Quel jour Jésus est-il ressuscité? À sa résurrection. Là, on dort. Calme, les enfants. Mais tu n'étais pas au catéchisme tantôt? Non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé les ambulances. Qu'est-ce qu'il y avait dans les ambulances? Il y avait des blessés. La leçon est terminée pour aujourd'hui, les enfants. Allez, disparaissez. Allez, les gosses, venez. Parfait, ramène-les.